en couple avec la mère de ses enfants depuis plus d'une décennie, Michel Platini aurait tant à ce que elle, un de ses équipiers, soit viré de son équipe. Notons que ce dernier entretenait une liaison avec son épouse. C'est une histoire de ces droits d'auteur qui a marqué le monde du football. Il y a quelques années, les rumeurs de liaison entre sa femme et son équipier, Jean-François Lario, sont arrivées aux oreilles de Michel Platini, mettant ainsi elle, ancien footballeur, dans une colère noire. Mais le couple a fini par surmonter cette épreuve et s'occupe désormais de leurs enfants et d'un petit-fils autiste. On vous en dit plus. Michel Platini, lors d'une conférence de presse tenue au terrain d'entraînement de Skeid, Nordhausen, en octobre 2008. Photo. Getty Images. Michel Platini et Christelle vivent heureux avec des enfants pour les passions de foot, Hélène, et Plus à Pleasanter. Né le 21 juin 1955 à Jeuf, Michel Platini est un des joueurs les plus emblématiques de sa génération. Sa passion pour le sport, Hélène, a hérité de son père, qui était lui-même footballeur à l'époque. Après avoir été calé du FC Metz, en raison de son problème respiratoire, Michel a rejoint l'équipe D, à Nancy-Lorraine en 1972 et a joué à l'équipe réserve. Et grâce à son talent, il a pu intégrer l'équipe première qui lui a permis de faire preuve de ses preuves durant la saison 1974 à 1975. Il était surtout connu pour ses coups francs qui laissent les gardiens de but sans voix. Mariage de Michel Platini avec Christelle à l'église de Saint-Max le 21 décembre 1977, France. Photo. Getty Images. Par la suite, Michel Platini a rejoint l'équipe de France et est devenu un des joueurs préférés des Franquais. En 1978, avant qu'il ne parte faire la Coupe du Monde, ex-footballeur a remporté la Coupe de France avec à Saint-Étienne. Il remporte ensuite le championnat de France en 1981, avec ce même club. Au fil du temps, Michel Platini a rejoint la Juventus de Turin et a notamment remporté beaucoup de prix, dont le championnat d'Italie ainsi que la Ligue des Champions. À part cela, le beau brun a aussi déjà remporté le ballon d'or plus une fois, à savoir en 1983, 1984 et 1985. Ensuite, après avoir pris sa retraite, Michel Platini est devenu sélectionneur des Bleus en 1988. Ensuite, démissionne du poste en 1992 après la défaite de l'équipe lors du premier tour de l'Euro. Les années 2000, il a travaillé dans les plus hautes instances du football et est même devenu président de l'UEFA en 2007. Mariage de Michel Platini avec Christelle à la mairie de Saint-Max en décembre 1977, France. Getty Images. Côte vie amoureuse, Michel Platini est un homme heureux aux côtés de sa femme Christelle. Dernier a dit, degré oui, plus ou moins ex-footballeur en 1977 et lui a notamment donné deux enfants prénommés Laurent et Marine. Rumeur sur une liaison si au jour, oui, Michel Platini continue de filer le parfait amour avec la mère de ses enfants, leur relation n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Les plus gros problèmes de couple, la liaison de Christelle avec un des équipiers de son compagnon. Est autre que Jean-François Lario qui avait joué au code de Platini à époque à Saint-Étienne. Pour une interview avec Bertrand Métayer il y a quelques années, après la sortie de son livre, De Grégy, et joue avec le feu, plus ou moins en 2017, Jean-François était ouvert sur le sujet.
De Michel Platini avec Christelle à l'église de Saint-Max le 21 décembre 1977, France. Getty Images, il explique alors que, entre lui et la femme de Michel Platini, c'était le coup de foudre au premier regard. Pensez que, à ce moment-là, leur relation était très bien à l'abri des regards mais ce n'était visiblement pas le cas. Que les rumeurs ont été pendues, Michel Platini n'a pas pu empêcher d'être en colère et n'a plus parlé avec Jean-François Lariot. Ainsi, alors que la Coupe du Monde arrivait à grands pas en janvier 1982, Jean-François avait décidé d'expliquer la situation à son entraîneur, Michel Hidalgo, en lui proposant de simuler une blessure pour qu'il n'aille pas à la Coupe du Monde. Michel Platini. Photo. Getty Images, une proposition que Michel Hidalgo a refusée. Toutefois, Jean-François Lariot, degré était devenu tricard, plus ou moins des, après ses revelations. Et lui qui décidait qui jouait ou non en équipe de France. J'ai assumé mes responsabilités. Aurait défendu si J avait été un joueur moyen, plus ou moins a-t-il dit clair. Du joueur de football français Michel Platini, vers 1970. Photo. Getty Images, quand à sa liaison avec Christelle, elle a pris fin après que celle-ci l'a quitté en choisissant donc Michel Platini. En 2001, Jean-François Lariot et son ex-équipier se sont vus à elle, Île Maurice, mais il n'y avait eu aucune communication entre les deux, selon Lariot. Après 45 ans malgré ses rumeurs de liaison entre son équipier et sa femme, Michel Platini a tout de même pardonné à sa Dulcinée et continue au jour, lui de vivre heureux avec elle. Christelle est sûrement un grand soutien pour son chéri, autant plus que elle, ancien footballeur est au centre un problème judiciaire depuis quelque temps. Joueur de football français Michel Platini. Photo. Getty Images, en effet, avec Sepp Blatter, Michel Platini est accusé d'infraction liée à un paiement suspect de 2 millions de francs suisses. Par conséquent, les deux hommes, qui ont nié les faits, sont accusés d'escroquerie, de mauvaise gestion criminelle et de falsification de documents. A notamment de but le mercredi 8 juin 2022 et le verdict final sera rendu le 8 juillet 2022. D'ailleurs, en plus d'être un mari et un père comble, Michel Platini est aussi un grand-père heureux dans son quotidien. Bien qu'il parle rarement de sa vie privée, il a révélé avec émotion lors d'une interview que son petit-fils est autiste. Un joueur de football français Michel Platini. Getty Images, et pour cette raison que elle, ancien footballeur, a été touché par le film Olivier Nakache et Eric Toldano, intitulé Degré hors norme, plus ou moins. Rappelons que dans cette fiction, Vincent Cassel et Reda Kateb, qui jouent les rôles principaux, viennent en aide aux gens autistes avec leur association. Degré qui m'a beaucoup touché car j'ai un petit-fils autiste. Je trouve très bien qu'un film aussi émouvant raconte l'histoire de ces gamins qui sont vraiment hors normes, plus ou moins a confié Michel Platini au sujet de ce film. Quoi, le compagnon de Christelle n'a pas donné plus de details et on ne sait pas agi de elle, enfant de sa fille Martine ou de son fils Laurent. Lire aussi. Shakira aurait surpris Gérard Pique avec une autre femme alors que son ex lui a réclamé 100 millions de dollars après leur rupture. N'oubliez pas de vous abonner à Mon Mama sur Google News.